اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز الحمد لله الذي ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. Je suis votre frère, votre ami, votre compagnon, Abdul Koudous Ouattara, membre du comité culturel de la génération des Trois Testaments, CCGT. Aujourd'hui, on va expliquer un peu le verset 68 de la sourate La Table Servie. Dans cette partie, Dieu parle à son prophète, Mohammed, paix et salut sur lui. Kul, Dieu ordonne au prophète Mohammed de dire, Ya Ahlal Kitab, oh vous qui avez reçu le livre, vous qui avez déjà une connaissance. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Vous qui avez une connaissance, vous qui avez des diplômes dans n'importe quel domaine, vous lestum à la Shein. Sachez que peu importe vos connaissances, que vous soyez docteur, que vous soyez professeur, que vous ayez n'importe quelle connaissance, lestum à la Shein. Votre connaissance n'a aucune valeur. Vous ne vous appuyez absolument sur rien. Hatta tukimu taurata. Jusqu'à ce que vous observez la Torah, vous mettez la Torah en application. Wal injil. Vous ne vous appuyez sur rien. Jusqu'à ce que vous observez et mettez en application l'évangile. Wama unjilla ilaykum. Et que vous mettiez en pratique en observant ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, le Coran. Si Dieu dit ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur, en considérant selon certaines mauvaises interprétations des musulmans, que ce verset s'adresse uniquement aux juifs et aux chrétiens, c'est faux. Ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, si on s'y réfère à leur explication, on va dire que le Coran a été donné uniquement aux juifs et aux chrétiens. Ceci est faux, est archi faux. Le Coran est universel, le Coran est destiné à toute l'humanité. Donc ce verset, il faut comprendre, lorsque Dieu dit aux gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien, tant que si vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, entre parenthèses, le Coran, ce verset s'adresse à tout un chacun. Ce verset s'adresse aux musulmans, ce verset s'adresse aux chrétiens, ce verset s'adresse aux juifs. Ce verset s'adresse à ceux-mêmes qui disent que Dieu n'existe pas. Ce verset s'adresse également aux athées. Ce verset s'adresse à toute personne dotée d'une connaissance, que tu sois chinois, que tu sois indien, que tu sois arabe, que tu sois africain. Tant que tu as une connaissance, mets-toi en tête que si la connaissance de Dieu, tant que tu ne mets pas en application la connaissance divine de Dieu, qui se trouve dans la Torah, qui se trouve dans l'Évangile, qui se trouve dans le Coran, vous n'êtes sur rien. C'est ça la base de la religion musulmane.
Mais les musulmans ont tendance à refuser ce verset et à l'octroyer aux juifs et aux chrétiens. Inch'Allah, si tout va bien, si la santé nous permet, le verset n'est pas encore fini, mais dans notre prochaine vidéo, on va expliquer encore le reste du verset, ce que Dieu dit en dessous de cette partie-là, en disant, vous n'êtes sur rien tant que si vous n'observez pas la Torah, l'Évangile et ce qui vous a été dit de la part de votre Seigneur. Le verset n'est pas fini, mais dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah, votre frère Abdul Koudous vous expliquera la dernière partie de ce verset. Sur ce, je remercie tout un chacun et priez le bon Dieu qu'il nous guide par sa grâce, sa miséricorde et son assistance divine. L'Éternel est notre berger, qu'il nous guide sur la voie de l'excellence à cause de son nom. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.